Cordon bleu, c'est ça? De grillettes de veau. Nous avons un gros problème. Ah, 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 problème. Nous avons du citron vert sur mon assiette. Bah, du coup, il faudra que je change d'assiette. Non. Tu peux la rincer? Ouais, après, je peux faire ça aussi. Mais je préfère faire le côté dramatique, tu vois. Donc, C'est trop bon. Elle est parfaite, ça aurait été meilleur. Ouais. Elle mince la tête. Ah, tes mains sont douces. T'as vu? J'ai mal à mon âme. Il y a un peu de soleil, ça fait du bien. Bon, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui vu que j'étais toute la journée au travail. Du coup, je vais résumer aujourd'hui là. De toute façon, j'ai toujours dit les réseaux, c'est mon journal intime. Et les vlogs, ça sert à ça. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui regarde. Mais c'est quoi cette agression? Mais monsieur, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Viens là. Et après, il se barre en courant. Et j'étais pas bien aujourd'hui. Je me disais, mais comment c'est possible? Je me suis pas sentie respectée, tout simplement. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ça. C'est la deuxième fois, mais je me rappelle pas des détails de la première fois. Il y a eu un autre événement, bref, où je m'étais pas sentie respectée. Et en fait, vu que je me remettrais en question, je me disais que c'était peut-être moi le problème, blablabla. Et là, aujourd'hui, je réalise que non. Pour moi, là, clairement, pour moi, j'ai pas été respectée. Il y a ça. Et ensuite, ce soir, je rentre, je fais un live et tout. Je me dis, ouais, cool. Je suis en vacances pendant presque un mois. Je vais fêter ça. Je fais un petit live. Et je vois un mec qui arrive dans le live. Que, voilà, avec qui j'avais fait deux, trois fois des lives, je crois, vite fait, des duos. Et il me dit, ah, ça fait longtemps. Et je sais pas ce qu'on se dit exactement. Vite fait, on s'échange un ça va, un truc dans le genre. Et là, il me dit, mon frère est décédé. Avec un smiley qui sourit, mais avec la goutte, là. Genre qui pleure en souriant, j'en sais rien. Et là, je suis restée choquée. Je savais pas quoi lui dire. Et c'est pas la première fois que j'entends... Il y en a plusieurs qui sont venus me dire en live, oui, il y a quelqu'un qui est décédé, en gros. J'en connais même une qui, une toute jeune et tout, la pauvre, elle a perdu son petit frère, son petit frère. Et elle a perdu sa grand-mère il y a pas longtemps. Et voilà, j'arrive à, je sais pas, avoir une barrière, et pourtant je suis empathique. Ça me fait de la peine pour la personne, mais ça me touche pas autant. Et là, ça m'avait beaucoup touchée, bah, parce que, ce mec-là, je lui avais tiré les cartes en live et du coup, ben, je connaissais pas mal de choses sur sa vie. Et bref. Et le mec, en gros, j'étais là à dire, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, est-ce que t'es là, est-ce que t'es là? Et je voyais qu'il était là dans le live et il parlait pas. Puis après, il a disparu et pas de nouvelles. Et là, du coup, il y a eu un gros quiproquo. C'est moi qui ai mal compris les choses. J'ai une copine du live qui m'a dit de lui envoyer un message, et moi je voulais pas, parce que je savais pas quoi lui dire, et que j'avais, voilà, je voulais pas, je le sentais pas, et du coup je l'ai trouvée un peu insistante, et après, en gros, elle m'a dit des phrases que j'ai mal interprétées, mais en fait c'était pour moi l'enchaînement, donc c'est pas une excuse du tout, hein, franchement je m'en veux, c'était l'enchaînement des choses qui ont fait que ben, j'ai compris en gros qu'elle était en train de me juger, parce qu'on parlait d'empathie juste avant, et en gros j'ai compris qu'elle me disait... bah vas-y en gros fais comme tu veux et pense à... elle m'a dit pense à ta vie et elle m'a dit en gros ça devait être le surplus d'empathie je sais plus faire un truc comme ça et moi j'ai tout mal compris j'ai compris ouais en gros vas-y fais comme tu veux sois égoïste et visiblement tu dis que t'es dans l'empathie mais tu l'es pas alors que c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire mais vu comme c'était mis l'enchaînement des phrases j'ai compris ça et en fait vu que c'est une fille que j'estime voilà, c'est une fille que j'estime énormément et que je trouve que... Enfin, je ressens que pour moi, c'est une très belle âme. Genre, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. J'arrivais pas à croire qu'elle m'avait dit quelque chose de méchant. Et je me suis dit, mais peut-être que ça c'était juste maladroit. Et en fait, non, c'est juste moi qui était... Voilà, c'est moi qui ai mal compris. Bref, ça fait 10 000 fois que je le dis. Et en gros, elle était mal parce que j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré parce que je me dis, putain, l'autre, il a perdu son frère. Et bref, je pense que c'était un tout, quoi. Et après, elle m'a envoyé un message, et c'était elle qui était désolée, alors que pour moi, c'était pas elle d'être désolée, parce qu'elle avait rien fait de mal. Et du coup, moi, je me suis sentie trop mal, et je me sens encore trop mal par rapport à elle, parce que vraiment, pour moi, je me dis, c'est une personne qui méritait pas, que j'ai pas confiance en elle. Je sais pas comment dire ça. Je trouve que
C'est une des personnes vraiment gentilles que je connais sur TikTok. Et clairement, elle méritait pas ça. Et là, je m'en veux trop. Je me dis, putain, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Bon, après, j'ai mal compris. Hein. Je veux pas non plus m'en vouloir 30 ans. Mais vraiment, ça me fait chier que... Ben, je me dis, ben, ça a dû la blesser, elle, en fait. Donc, encore une fois, c'est pas une excuse que je vais raconter là. Mais il y a eu plusieurs choses qui se sont passées sur les réseaux, dont une meuf qui, pour moi, nous a totalement menti sur ce qu'elle était. Hein. En fait, on était un groupe sur TikTok. Et il y a une de ces filles-là qui a commencé à faire des lives à fond. Et elle a changé radicalement, la meuf. Bref. Et pour moi, c'est là qu'elle nous a montré son vrai visage. Et clairement, je me suis sentie trahie. Et en fait, je revenais pas de m'être fait duper à ce point-là par cette meuf. Et le pire, c'est que c'est elle qui dit aux gens que c'est moi la mauvaise. Enfin bref, histoire de gamine, là. Il y a eu elle, et il y a eu une autre genre qui m'a bloquée du jour au lendemain, alors qu'elle m'envoyait des petits rayons de soleil, nanana, enfin bref. Et là, quand il y a eu cette deuxième fille, je me suis dit, putain, mais en fait, les meufs... plus elle te lâche le cul, plus il faut se méfier, en fait. Et ça m'a choqué, en fait, elle plus l'autre. Je me suis dit, mais en fait, il se passe quoi? C'est quoi ces meufs qui sont là à te faire de la lèche tout le temps? Et au final, elles te font des coups bizarres, quoi. Là, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, bah, ça me saoule parce que, comme j'ai dit, cette fille, elle le méritait pas. Et il s'était passé un truc une fois avec une fille qui me suivait, que je connaissais pas trop, mais que je trouvais gentille. Et un jour, en fait, elle a fait un peu du forcing. Il faut je raconterai l'histoire, hein, en gros, du crush que j'ai eu sur mon voisin Mathieu, qui s'appelle pas Mathieu, mais bon. Et clairement, cette fille me jugeait. Elle me jugeait et elle était ben, pas dans la bienveillance. Genre pour elle, elle disait qu'elle était dans l'amour et en fait, elle n'était pas. Et là, je me suis dit, non, mais cette fille, ça va pas, quoi. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé avec cette fille-là, bon, je veux dire son nom, Aurore, hein, de toute façon, personne ne les connaît, ben, j'ai eu l'impression de vivre exactement cette même chose ce soir-là. Et je me dis, non, mais en fait, elle, c'est pas Aurore. Aurore, elle a agi comme ça, mais elle, c'est pas Aurore. Mais en même temps, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Enfin, bref. Du coup, je me couche en m'en voulant de ne ben, pas avoir fait confiance. Et de penser qu'elle me jugeait alors qu'elle me jugeait pas du tout. Voilà, voilà. Et du coup, le mec, du coup, j'ai même pas terminé, qui a dit que son frère était décédé. Bon, déjà, il part, il dit rien. Je me suis dit, bon, vas-y, il abuse, le mec, je lui en voulais. Il y a une partie de moi qui l'en voulait. Et mais de l'autre côté, je me disais, mais s'il a vraiment perdu son frère, ben il est peut-être chamboulé. Et donc, je suis son frère sur Instagram, parce qu'en fait, je les avais eu en live tous les deux. Ils étaient, j'ai connu ce mec, il était avec son frère. Et je suivais beaucoup sa femme, qui raconte sa vie, parce que, bref, elle a emménagé dans un pays. Et en fait, je me dis, mais, putain, mais ce mec-là, il a une famille, il a une fille, et ça me faisait trop mal au cœur. Donc, je me dis, est-ce que c'est lui qui est décédé? Et bam, quelques minutes après, je vois qu'il poste une story sur Insta. Je dis, mais visiblement, c'est pas lui. Je vais sur l'insta du mec qui est venu dans mon live. Et là, je vois qu'il poste des trucs genre normal. Je me dis, bon, peut-être qu'après, voilà, des fois, quand t'es en deuil, tu postes encore des trucs parce que tu veux fuir le deuil. Donc, je peux comprendre. Et là, il poste qu'il est en soirée et tout. Je me dis ça, je dis, attends, quand même, ça fait beaucoup. Le mec, il poste normal. Son frère, il poste normal. Donc, ils viennent de perdre un frère. Mais ils agissent tous comme si tout allait bien. Et après, je me dis, c'est les réseaux, je sais pas, je suis même pas sûre de ce que je dis là. Mais je me dis, ça se trouve, en fait, c'est faux. Ce que le mec m'a dit, c'est faux. Donc moi, j'ai pleuré parce que je pensais qu'il avait un frère qui est décédé. Mais ça se trouve, c'est pas le cas du tout. Donc je me dis, c'est trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre ce qui s'est passé ce soir. En tant qu'il dit de la merde sur moi et ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'univers? Pourquoi tu me fais ça? Et tout à l'heure, je me suis dit, bah, il se passe quoi là? J'ai bien travaillé ma blessure d'abandon. J'ai bien travaillé ma blessure de rejet. Je la travaille encore, hein, les deux, je travaille encore. Je me dis, maintenant, je dois traiter quoi? La blessure de trahison? je comprends pas, mais vraiment. Bref, je me dis, en tout cas, si le mec a menti ou je sais pas, moi, je me suis dit peut-être qu'il s'est embrouillé avec son frère et qu'il a dit qu'il était décédé, en mode, il est mort pour moi. Je sais pas, mais bref, c'est vraiment très bizarre de venir dire ça à quelqu'un et se barrer. Enfin, surtout de rester un moment en voyant que la personne s'inquiète.
et se barrer comme ça. Ah, mais lui, carrément, il est sur mon dos, là. Il a sauté, il s'est mis sur mon dos. Après, je vais vous montrer ce qui se passe le soir. Viens. Oh, mais non. Installe-toi. Viens, bébé. Viens là. Ben oui. On peut s'installer. Regardez. Oh là là, il rentre sa tête dans la couverture. Il met sa tête près de ma tête, toujours. Sa tête, ses fesses près de ma tête. Et voilà. C'est le ronron, mon bibou. C'est l'heure d'école, hein? Bon, oui, c'est l'heure d'école, hein? Bon goût. Est-ce que c'est l'heure des bisous? Je l'écrase pas. Je mets pas mon poids sur lui. Oh, elle a bien bavé. Oh là là, t'as bien bavé sous la couverture. Ah. Oh.